Merci à vous. Надо вот эту вернуть. Переметайте там. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's. Chères Françaises, chers Français, chers amis, mes compatriotes maintenant depuis 20 ans. Aujourd'hui encore, nous nous rassemblons pour commémorer un événement qui a profondément bouleversé nos vies, même l'Europe et même le monde entier. Il y a 2 ans, la guerre à grande échelle a commencé en Ukraine. La Grande Guerre, on l'appelle en Ukraine. Et ce cauchemar dans lequel nous nous sommes tous plongés dans la nuit de 24 février 2022, le mois de février qui n'en finit pas, on dit en Ukraine. Il faut savoir que le mot février veut dire en ukrainien, c'est louté. De la même racine que le mot colère. Nous sommes en colère. Elle n'en finit pas non plus. Cette colère a mis du temps pour pousser en nous. Cela fait déjà 10 ans qu'elle a poussé. Car la guerre n'a pas commencé juste le 24, mais elle a commencé il y a déjà 10 ans. La Russie a commencé cette guerre en annexant un bout de territoire d'un pays souverain, en le déguisant en plus en guerre civile, en manipulant et en endormant son propre peuple en plus, et en semant des arguments, plein d'arguments, pour montrer la complexité inouïe de ce conflit, comme il disait, pour brouiller la vision de la communauté internationale. Oui, le monde est complexe, en effet. Mais l'être humain en a la capacité de comprendre cette complexité et agir sur lui. Les choses les plus chères sont des choses les plus simples, d'ailleurs. Je vais tourner ma page. Ce sont des choses aussi qui n'ont pas de prix. C'est à ces choses-là que je voudrais qu'on pense maintenant, en ce moment. Ce sont des millions de personnes qui ne voudraient pas partir, qui ne peuvent pas rester chez eux, mais qui n'ont pas de maison pour rentrer. Ce sont des millions de vies volées aussi, des familles brisées, des enfants qui n'ont plus le goût de la vie, pour qui il n'y a plus de saison, il n'y a plus envie de rire, qui n'arrivent même plus parfois à parler, pour dire ce qu'ils ont vu, et parfois ils ont vu des choses que les enfants ne devraient jamais voir, pour dire l'indicible. Des mères qui n'arrivent pas à assurer la meilleure vie pour leurs enfants, la vie meilleure que elles ont connue. Des pères qui sont dans les tranchées, ou qui ont été dans les tranchées, ou qui ont perdu des membres, et qui ne reviendront peut-être plus. Ces ingénieurs, ces médecins, ces cinéastes, ce poète, ce prof de la fac qui continue de donner des cours à ses étudiants du front, vous avez peut-être vu ces images-là. Chacun de nous a déjà perdu quelqu'un de notre entourage. Parfois c'est un voisin, un ami, une amie, un frère, une sœur, une copine de la fac, un père, un oncle. C'est trop. Le peuple ukrainien est un ancien, un peu comme l'usine de Azovstal. Nous sommes le modèle de l'Europe, on nous dit aussi. Ça doit être vrai tout ça. Et ça fait 2 ans. Et 2 ans d'usure et de stress, de travail acharné, où personne n'a compté ses efforts ni heures comme un vrai travail. 2 ans de vie comme ça, ça laisse forcément des traces indélébiles. On a des baisses de morale, comme tout le monde. Soyons francs, c'est vrai. Nous avons tous envie d'avancer, on a besoin d'avancer. Et comme disait la poétesse ukrainienne du 19e siècle, Lesya Ukrainka, kontraspem spero. Même si on n'a pas d'espoir, nous allons espérer. Ce qui nous donne l'espoir, c'est votre présence ici. Et on est très très nombreux en fait. Je suis tellement surprise de constater qu'on est vraiment beaucoup. Et ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Ça donne de l'espoir. Et nous vous en remercions. Et c'est aussi de parfois donner des sourires aux gens, aux réfugiés qui n'ont plus rien en fait, mais qu'on arrive encore à illuminer ces visages que la guerre a éteintes. C'est aussi la conviction qu'il faut qu'on tienne,
Il faut tenir, il faut se battre, il faut appeler à ne pas lâcher l'Ukraine. Partout, il faut le dire à l'Europe, il faut le dire aux États-Unis, il faut le dire à tous les parlements, il faut le dire aux politiciens, il faut le dire à la télé, il faut le dire en exposant des choses qui viennent de l'Ukraine, en mettant en valeur les Ukrainiens et les artistes, parce qu'on n'a pas d'autres issues possibles. Et on le fait aussi pour l'Europe et pour le monde. Et c'est aussi la foi et l'expérience de l'histoire qui se répète toujours, qui tourne en rond même, qui nous montre que le monde, un jour, se réveillera et en bénéficiera de ce qui est positif, ce qui restera de cette guerre dévastatrice. Et ça sera le jour où on s'en sortira. Non, mieux encore, ce sera le jour où on vaincra. Et c'est exactement ça. La paix, c'est en fait la victoire pour l'Ukraine. Et ce jour-là, le monde va muer aussi. Il va perdre son ancienne peau et les institutions internationales se changeront aussi, puisqu'elles ne peuvent pas durer comme ça. Il y aura forcément des traces positives et cette barbarie ne pourra plus continuer dans le monde moderne. Pour qu'on se retrouve ici pour d'autres événements, pour une autre raison beaucoup plus heureuse qu'ici, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, on a de l'espoir, on a de la foi. Слава Україні! Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького.